Une chose nous unit, c'est ce bateau commun qui s'appelle la vie, à bord duquel nous avons malgré nous embarqué et à bord duquel nous allons devoir traverser les difficultés que celle-ci nous pose. Nous nous trouvons dans un endroit sur Terre qui s'appelle la France, qui a des particularités qui lui sont propres, et avec lesquels il faut savoir bien entendu faire, sans se renier, sans se fondre, mais avec lesquels il faut savoir faire avec intelligence, avec concession, parce que c'est de cela qu'il est question. La vie, elle est faite de compromis et de concessions afin de préserver ce bien commun qu'est la vie, qu'est le vivre ensemble. Donc je pense qu'au-delà des opinions, au-delà des croyances, au-delà des couleurs, des appartenances idéologiques diverses et variées, nous devons pouvoir parler un langage qui est celui du faire ensemble et du vivre ensemble, parce que nous avons des défis communs qui, quand ils se présentent, ne font pas de distinguo entre ce que vous êtes, entre votre genre et le mien, entre votre foi et la mienne, si tant est que l'un et l'autre aient une foi. C'est un verset du Coran qui me vient en tête qui dit « وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً » Ayez peur d'un trouble qui, s'il tombe, ne fera pas de distinguo, mais emportera tout le monde dans son passage. Donc je pense que nous avons des défis qui sont communs, dont le premier, de mon point de vue, en ce siècle qui commence, est celui de l'humain. Comment rester humain, car, comme le disait Jean Rostand, nous sommes devenus des hommes avant que des dieux, avant que nous méritions d'être des hommes. Et je pense que c'est très actuel, parce qu'en effet, on est en train de chercher à conquérir je ne sais quelle planète, alors que la planète de l'esprit et du cœur humain nous est complètement inconnue. Thank you.